Cassé le poignet. Coucou toi, tu m'en connais ou pas? Ouais. C'est qui ça? Hein? Amaï? Ah, pour bureau, ils vont cacher quoi. Trop bien quoi. Moi ouais, je vais dire bonjour un peu. Oui mais c'est bien. C'est sympa. Un peu. Et bouquet de fleurs. Waouh. Cool, merci. Et avec la photo. Bravo. C'est gentil, merci. Eh ben, un petit soulagement là. Allez, content. Content d'avoir bouclé la route du Rhum, franchement. C'était une belle petite expérience, franchement. Il y a eu quelques petites péripéties. Après, voilà, l'objectif, une fois de plus, c'était vraiment de la terminer, cette course. C'était de pouvoir aussi se qualifier pour le Vendée Globe. De ramener le bateau en bon état, bon il est un petit peu abîmé, il y a 2-3 trucs qui manquent. Et c'est vrai que j'ai eu quand même des problèmes avec les voiles beaucoup, qui m'ont fait perdre quand même du temps. Et c'est vrai que bon bah niveau classement c'est pas la folie. Mais c'est pas grave, enfin, moi, je me préoccupe pas trop de ça. Même si forcément bah quand t'es sur une course, l'idée c'est de se tirer un peu la bourre avec les autres, et c'est vrai que bon bah j'ai réussi à remonter quand même quelques autres bateaux après, donc ça j'étais content. Donc je sais que le bateau marchait bien, que j'ai de mieux en mieux en main, donc ça c'est hyper intéressant et ça va dans le bon sens quoi. Et puis après bah non mais j'ai pris beaucoup de plaisir, même sur tout le tour de l'île là, c'était trop sympa. Ça aurait été plus chouette de la faire de journée, mais bon c'est pas grave, j'ai pu quand même voir la Guadeloupe se dessiner juste avant que le soleil se couche. De l'émotion, forcément un petit peu ouais, mais c'est vrai que je suis encore un peu sur le cul de me dire que j'ai traversé l'Atlantique en 2 semaines quoi, parce que c'est pas trop mes moyennes logiquement ça, tu vois. Mes dernières traversées c'était 107 jours et celle d'avant 74 jours et celle enfin d'ailleurs il y en a une dans le même sens là où j'avais fait Canaries Caraïbes. Et j'étais arrivé à la rame à Saint-Barth. Et c'est vrai que c'est cool. C'est cool de faire une traversée sur un bateau aussi rapide. Après c'est pas la même chose dans le sens où tu profites pas de la même façon. Là, tu es vraiment focalisé sur la performance de ton bateau. Et t'as pas trop le temps de rêver, quoi. Mais c'était génial et je me sens vraiment privilégié d'être arrivé parce que 2-3 fois j'ai cru vraiment perdre mon bas, encore il y a 2-3 jours où j'ai mon Genac qui s'est arraché de l'avant et qui était en drapeau. Il fait quand même 200 mètres carrés et puis il y a le mât qui bougeait dans tous les sens. Et là j'étais un peu dégoûté, mais j'ai été obligé de choquer Madrid et laisser tomber le Genac, et je m'en veux énormément d'avoir laissé ça dans l'eau quoi. Mais j'avais pas trop le choix et je pense que peut-être que si j'avais pas fait ça, bah, c'était le mât qui tombait avec 3 voiles d'avant plus la grand voile, donc ça aurait été bien pire quoi. Donc ça je suis vraiment dégoûté et je pense aussi à tous les autres marins malheureusement qui ont dû abandonner, qui ont dématé, il y en a qui sont échoués, il y en a qui ont chaviré. Dur. Donc c'est chouette d'être arrivé au bout quoi, vraiment. Et puis j'ai aussi une grosse pensée pour la tragédie là, qui s'est passée au jour de l'arrivée du vainqueur. Là. Pas marrant, comme quoi la vie elle tient pas grand chose quoi. Ah ouais, bah c'est l'apprentissage, bah oui, non, mais l'idée, bah, moi j'ai encore tout à apprendre, tu vois, vraiment. Et là, je commence à connaître mon bateau vraiment, vraiment bien, je pense, quoi, parce que j'arrive à le pousser un peu plus et je vois que j'arrive à tenir des moyennes assez correctes. Après tu vois, il y a encore des réglages que j'essaye et je suis pas encore sûr de moi. Niveau météo, bah oui, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que, ok, bon, bah là, je suis au niveau classement, c'est pas terrible, je suis 25e. Mais faut pas oublier qu'à un moment j'étais deuxième quand même, merde. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Bon, ça a pas duré longtemps, mais bon quand même, j'étais là. Moi j'ai fait des screenshots. donc voilà. Et puis bah non, mais ce qu'il faut c'est continuer de bosser.
Et puis voilà quoi. Et non mais c'est cool parce que le bateau aussi, j'ai eu des conditions un peu musclées, bah, comme pas mal, on a traversé quelques fronts. Donc il y a des moments j'avais un peu mal pour lui quand même. Ça tapait un peu quoi. Mais c'est rassurant parce que le bateau il tient vraiment la route et je me sens vraiment en sécurité. Et c'est important parce que bah, le projet après c'est quand même de faire le tour du monde avec quoi. Et donc bah, moi je suis rassuré de me dire que bah, voilà, le bateau je sais que je l'ai poussé dans des conditions de vent parfois fort où j'ai eu plus de 60 nœuds, bah, pas ici mais tu vois, par exemple sur la Vendée Arctique ou un peu de mer, enfin voilà quelques petites avaries. Et même s'il y a des choses qu'on cassait, voilà, c'est un bateau qui reste quand même résistant, qui reste marin, qui reste pas trop compliqué par rapport aux autres foilers, quoi. Parce que quand je les entends, mais oh, franchement, ils ont l'air de subir, quoi, les pauvres, quoi. Et tu te demandes parfois où est le plaisir, quoi. Et sur ces bateaux, on prend encore du plaisir, quoi. Heureusement, quoi. Ah bah ouais, bon, on se rapproche, ouais, carrément. Bah, c'est dans 2 ans maintenant, donc bon, c'est à la fois dans longtemps, mais ça va vite arriver aussi. Mais le bateau, là, ça fait même pas un an qu'on l'a mis à l'eau, hein, tu vois. On a navigué dessus, mais voilà, pas tant que ça. Tu vois, ma plus grosse course avant, c'était 5 jours en solo. Donc, c'était la Vendée Arctique, donc là, c'était 2 semaines. Donc écoute, non, mais c'est... Enfin, voilà, je sens que je suis de plus en plus en phase avec mon bateau. Voilà, on se comprend bien. Et je commence à avoir les bons outils. Mais il reste énormément de boulot et ce qui est génial c'est que je suis hyper bien entouré, je suis hyper motivé. Donc avec tous ces ingrédients, logiquement, on devrait bien s'en sortir quoi.